Oh, je suis pas content. Yami Bolette, il a jacté sur Donald. Oui, Donald. Non, pas Donald, pas de Walt Disney. Non, Donald Trump. Bah, le candidat à l'élection présidentielle américaine. Non, Walt Disney, ah non, ils aiment pas Donald Trump. Bah non, ils ont même envoyé les Avengers. Les Avengers. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est la dernière idée pour lutter contre Donald Trump. C'est les acteurs d'Avengers, c'est pas une blague. Ils ont fait un clip pour dire aux gens, faut pas voter Donald Trump. On Tuesday, November 8th, this country will make one of the most important... The most important decisions in its history. You have a chance. You have an obligation. To be a part of that decision. You might think it's not important. You might think you're not important. But that's not true. Ils ont plus que ça en stock, en fait, comme argument. Mais si, ça va marcher. Il doit y avoir trois connards au fond du Kentucky qui pensent que c'est la vraie vie. Hey, honey, I wanted to vote for Donald Trump. But they say on TV that Captain America is gonna kick my ass. So I think I'm gonna vote for Clinton, right? Non, en fait, personne va... Ça va pas marcher, en fait. Il y a pas de... Enfin, ici, il y en a deux, trois, mais c'est pas la majorité. Et donc, en gros, je vous résume le clip, hein. À la fin de l'histoire, c'est Mark Buffalo. Mark Buffalo, le mec qui fait Hulk. Ouais, il dit aux Américains, si vous votez pas Donald Trump, dans mon prochain film, je fais une scène de nu. Ouais, ils en sont là au niveau argument. C'est comme si en France, tu vois, t'avais Jean-Pierre Bacri qui disait « Bon, bah si vous votez pas pour Sarkozy en 2017, je monte ma bite. » Non, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc du coup, François Hollande, vu que maintenant il est homme d'État de l'année 2016, il s'est senti investi d'une mission divine. Il a commencé à ouvrir son claque-merde sur Donald Trump. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. On est ici pour couvrir les élections américaines. En tant que chef d'État, est-ce que c'est inquiétant de se dire que Donald Trump sera peut-être le prochain président des États-Unis? C'est plus une hypothèse. Non, François, c'est pas du tout ce qu'il te demande, là. Il te demande si c'est inquiétant. Donc, faux départ. C'était pas la bonne réponse, mais c'est pas grave, on continue. C'est plus une hypothèse. C'est plus une éventualité. C'est une possibilité. C'est bon, là? T'es arrivé au bout des synonymes? C'est même, pour certains, une probabilité. Oh, putain! Donc on fait comme si il n'y avait jamais de menace, que si le peuple est bien informé, il va prendre la bonne décision. Enfin, tu sais, des fois, les gens, François, ils ont beau être informés, bah, on a voté pour toi quand même, hein, donc... Ouais, mais on n'est pas bien informés en même temps. Mais la démocratie, ça peut aboutir à des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait prévus. Ah, que vous aviez prévu, oui, oui. Mais la démocratie est très souvent contraire aux choix que vous aviez prévus. C'est inquiétant, ce serait inquiétant d'avoir Donald Trump comme interlocuteur dans ce genre d'Assemblée Générale, par exemple, d'avoir un homme comme ça à la tête de la plus grande puissance du monde. Regardez, sur le Brexit, tout le monde pensait que c'était pas possible que... Putain, la question, François, il te parle de Donald Trump. Pourquoi il parle du Brexit, ce con? Les Anglais, enfin les Britanniques s'en aillent de l'Union Européenne, se décident de partir, avec des arguments qui étaient souvent tout à fait infondés. D'ailleurs, même les porte-parole de la campagne du Brexit n'ont même pas voulu assumer les conséquences du choix. Aujourd'hui, on pense que c'est pas possible, quand on entend Donald Trump, les propos qu'il tient... Ah mais en France aussi, François, dès qu'on t'entend, à chaque fois, on se dit non, c'est pas possible là, et pourtant on est dedans. La confusion qu'il fait de manière permanente entre immigration et terrorisme, manière avec laquelle il utilise l'islam. Ah, parce qu'en France, vous n'utilisez pas l'islam? Vous pouvez pas passer deux mois sans en parler? C'est pas possible qu'il puisse être élu aux États-Unis. Et en France, c'est pas possible qu'il y ait un parti d'extrême droite qui soit le premier à venir dans les scrutins qu'on a connus. C'est pas possible d'avoir cette dérive du discours. C'est pas possible. Ouais, non, il a bugué là. Ouais, il faut le rallumer, hein, parce qu'il boot en boucle. Hein, oui, bah, il arrête pas de dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, c'est son nouveau moi président. D'entendre des propos qui laissent penser qu'il faudrait suspendre la Constitution, les conventions internationales. Il n'y a pas besoin d'aller regarder aux États-Unis. Ah non, mais il suffit juste de regarder en France. Hein. Vous avez fait sortir la France du respect des conventions européennes des droits de l'homme, donc pas voir plus loin que ça. Hein. Comment est-ce que vous expliquez que les populistes de droite, d'extrême droite, que ce soit ici aux États-Unis ou chez nous en France, gagnent autant de terrain, séduisent autant d'électeurs? Parce qu'il y a la peur. Parce que lorsqu'il y a la terreur, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a... Manuel Valls! Non, ça doit pas être ça. Des guerres, lorsqu'il y a des réfugiés, des immigrés qui viennent, eh bien, il y a une partie de la population, et on peut la comprendre, qui prend peur, qui s'interroge, qui se demande s'il ne faut pas tout fermer, tout verrouiller, et s'il ne faut pas s'en prendre à une religion plutôt qu'à une autre.
Donc il y a cette peur. Cette peur, elle doit être dominée. Et c'est le rôle des responsables politiques, des hommes et des femmes d'État. Ah, d'accord. Donc en fait, vous dominez les gens avec, du coup. En fait, si vous nous dominez, c'est pour dominer nos peurs, pour notre propre bien. Waouh, c'est vachement fort. De se dire, quelle est ma responsabilité ? Peut-être je ne serai pas forcément écouté comme je devrais l'être. Non, je te confirme. Plus personne ne t'écoute, François. C'est confirmé, ça, depuis longtemps. La France et les États-Unis sont deux pays de taille différente. Putain, mais on s'en fout de la taille, François. Ça n'a aucun rapport avec le sujet global. Aucun. On s'en fout que ce soit deux pays de taille différente. Mais qui ont une histoire qui, à un moment, a été commune. C'est-à-dire l'histoire de nos propres révolutions. Il y a eu des révolutions qui ont été fondées sur la liberté, sur le droit, sur la démocratie et sur l'égalité. Et sur l'extermination des Indiens aussi. Mais c'est pas obligé d'en parler. Hein. Elle n'a pas été faite tout de suite. Hein. Il a fallu s'y prendre après pendant des décennies. Bah, le temps de finir de niquer la gueule aux Indiens, ça prend du temps. Eh bien, quand on a ce message-là, quand on a cette histoire-là, on doit être à la hauteur de, j'allais dire, de son histoire et de sa réputation. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ben là, une chose est sûre, t'es bien à la hauteur de ta réputation, François. T'en fais pas pour ça. Je suis pas content. What?